Jenny, une journée sans encombre pour vous, toujours deuxième au général, parfait j'imagine. Ouais, c'est super, c'est mon premier podium chez les pros. Et voilà, j'ai pensé pour garder le maillot des jeunes et j'ai réussi. Malheureusement, Manzin il a chuté lourdement à 5 km de l'arrivée. D'accord. Mais voilà, je suis fier de porter ce maillot de meilleur jeune et j'espère le garder encore demain matin. Par contre, demain après-midi, au chrono, ça va être très difficile. C'est pas vraiment mon truc, donc je vais en profiter avec sur le bruit. Est-ce qu'on peut vous voir comme à l'étape d'hier, réattaquer demain pour essayer de prendre quelques secondes de bonification pour un matelas un peu plus confortable éventuellement? Ouais, je pense que si je les prends au matin, je vais les perdre de toute manière l'après-midi. Donc le but, c'est rester bien au chaud et donner le maximum au contre-la-montre? Ouais, comme je dis, le contre-la-montre, je vais faire sur l'euphorie avec ce que j'ai presté maintenant et j'en profite maintenant de passer sur le podium en ma première année pro. Et pourquoi pas essayer de reprendre une échappée le dernier jour. Et c'est beaucoup d'expérience à engranger. Deuxième au Tour Poitou-Charentes pour le moment. J'imagine que ça forge une certaine confiance pour la fin de saison. J'ai chuté lourdement autour de Belgique et j'ai mis une assez bonne forme. Mais voilà, je continue à bosser et j'ai fait ce que j'aime, c'est prendre des échappées comme j'ai fait hier. J'ai pris du plaisir, c'était difficile, mais voilà, je suis très content et fier de peut-être actuellement deuxième au classement général. Très bien, merci beaucoup.